Ok, ça, c'est ma tête qui est pas réveillée. Et ça, c'est un teaser que vient de renvoyer Dokkan Battle, le deuxième teaser sur la célébration des millions de téléchargements de cette année. Et bah, on n'en sait toujours pas plus. Alors, j'avais pas réagi au premier teaser, donc on va le regarder ensemble en même temps, parce que bon, bah, tant qu'à faire, on est là, on va faire ça. Alors, voici le premier teaser, les amis, que Dokkan a envoyé le 9 août. Hein, on est le 12, donc le 9 août, Dokkan a envoyé ceci. Ok, donc beaucoup de gens ont pensé à ce moment-là à la Time Machine, moi aussi d'ailleurs, c'est vrai que ça me fait penser un petit peu à la Time Machine. Bon après, Time Machine de Trunks, oui, pourquoi pas éventuellement, mais là franchement, je... Bon, c'est vrai qu'à part ça, vu la tête du truc, vu les formes ici, bon... Tu vois, ça par exemple, ouais, on dirait une partie peut-être de la Time Machine, effectivement. Alors, ça, je sais pas trop ce que c'est. Et ça, c'est des carrés. Alors, il y avait des gens qui supposaient que c'était les dalles de la Reine de Sel. Donc, peut-être Saga de Sel. Donc, c'est la première supposition qui avait émergé dans la communauté. D'autres y ont vu aussi à un moment donné deux boutons, pardon, présents dans la Time Machine. Donc, faut voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner de ce côté-là. Et voici le deuxième teasing. Sorti aujourd'hui à 8h par Dokkan Battle. Ça nous en apprend pas plus, hein, je te spoil. Regarde, enfin juste regarde en fait. Voilà. De la pelouse, des nuages. Et là, c'est chelou. Ça, c'est bizarre, ça. Ça. Alors, en fait, là c'est bizarre. Alors, tu te doutes bien que c'est une maquette, évidemment, qui est montrée en plusieurs fois. La première fois, on t'a montré, du coup, bah, les étapes d'un objet qui va être à mon avis reconstitué, que l'on a pensé du coup être une time machine, parce que c'est vrai que la forme ressemblait à une time machine. Le second teasing te montre bah, le logo d'Okan Battle. Alors c'est un peu dommage de passer 15 secondes à teasing sur les millions qu'on attend tous pour juste te montrer le logo d'Okan Battle. Tu vois bien que c'est exactement la même chose, donc tu vas voir que dans la maquette finale il y aura le logo déposé quelque part. Donc ça c'est bien gentil, mais ça ne nous avance absolument pas sur ce que c'est. Et ici par contre, il y a ceci. Et ceci, effectivement, on dirait un socle. Donc, manifestement, c'est un socle avec de la pelouse. C'est vrai que ça fait penser à un socle où on pose la punch machine, la time machine dessus. Pourquoi pas poser la time machine sur ce socle-là? Et là, par contre, des nuages. Très bien, mais pourquoi avoir mis les nuages sur un rouleau de PQ? En fait, cette image-là, elle me laisse perplexe. Comment j'imagine dans une. Enfin, et comment d'ailleurs toi aussi, hein, t'imagines dans une maquette à un moment donné quelque chose en forme de rouleau qui représente le ciel. Parce que c'est ça, plus ou moins. C'est un rouleau qui représente le ciel vu qu'il y a des nuages dessus. C'est assez. C'est assez. Bah, c'est. C'est assez chelou quand même, hein. Franchement, là, j'avoue. Alors, Goresh a dit un truc sympa à un moment donné, il y voyait la tour Karine. D'autres imaginent Zamasu, c'est-à-dire ce visuel-là. Vous savez, quand il y a la faille,
par rapport à ça, j'ai un peu du mal à y croire. C'est une maquette en fait, c'est ça qu'il faut se dire. Donc ça, c'est un socle sur lequel on va poser quelque chose. Je vois très très mal une maquette avec un ciel de cette forme-là, comme ça. Et en plus, il n'y a pas de forme particulière. Comme on peut le voir ici, c'est vraiment manifestement de la pelouse. J'espère juste qu'il n'y a pas des dingueries dans le... Voilà, la planète Namek pour certains. Please be Vegito Blue. Ouais, on espère. Et alors voilà, tu vois, t'en as un ici qui dit peut-être peut-être ça, tu vois, comme je disais, un soc pour la Time Machine. Franchement, en vrai, j'en sais rien. Et en vrai, je trouve ça sympa, c'est pour ça que je vous partage les deux teasers aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Et alors voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un qui poste ceci, et Goresh, en fait, a posté plus ou moins la même chose en disant à un moment donné... Je pense qu'il troll parce que on a vu à plusieurs reprises qu'il avait des informations, donc ça se trouve il a des leaks et juste il joue un petit peu avec la communauté, mais il disait non, c'est bien la tour Karine, c'est un socle pour poser la tour Karine dessus et les nuages, tout ça, bon. Ce qui en soi a du sens aussi finalement quand on le voit comme ça, mais bon après. Ah, j'en doute un petit peu quand même, mais bon. Mais sinon, ouais, la première vue comme ça, en conclusion, moi, je dirais, c'est le socle de la Time Machine. Alors, par contre, laquelle de Time Machine? Celle de Cell ou celle de DB Super? Ça, c'est la grande question à laquelle j'essaie de répondre. Et donc, bah voilà, maintenant que je vous ai partagé ça, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je trouve ça marrant parce qu'au moins, on a un petit teasing sympa. Il n'y a pas de leaks, manifestement, qui sortent pour le moment. Et on aura peut-être plus d'informations. On en a eu un le 9, là, on est le 12, peut-être le 15, du coup, je sais pas, tous les 2-3 jours. Lundi ou mardi, à voir. En tout cas, voilà les amis, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. On arrive au terme de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Évidemment, on a d'autres vidéos qui arrivent aujourd'hui, je vous ai prévu un petit planning sympa. Sur ce, prenez soin de vous, passez une bonne journée et on se retrouve très vite sur la chaîne pour du Dokkan. Salut!